Allez, c'est parti pour un nouveau numéro de votre magazine Opinion Croisée, une émission de débat, un magazine de débat où nous donnons la parole à toutes les tendances confondues. Nous restons focalisés sur l'actualité, beaucoup plus l'actualité politique, qui d'ailleurs aujourd'hui reste dominée par la marche de l'opposition. Les itinéraires étaient donnés par le gouverneur de la ville et province de Kinshasa. Et déjà, les premières images qui nous arrivent, c'est la forte mobilisation des agents de l'ordre, de la police, au niveau de Lemba, Super Lemba, où les dispositifs sécuritaires sont déjà installés. Et nous apprenons également à travers d'autres images que à Kianza, croisement Kianza Université, tout rassemblement de 10 personnes ou plus de 10 personnes est interdit. Alors on se demande pourquoi est-ce que l'on autorise la marche et on interdit tout rassemblement de plus de 10 personnes. Toutefois, dans ce plateau spécial, nous allons parler, nous allons débattre et nous allons également placer un petit mot sur les dossiers députés absentéistes à l'Assemblée nationale. Nous avons vu d'ailleurs la dernière vidéo du président de l'Assemblée nationale, Mbosso Nkodia, que nous allons d'ailleurs demander plus tard ici, où il explique comment cela va se faire. Alors qu'hier, notre invité était ici sur ce plateau, Pius Romain Roland Ngoy, il a dit que le président de l'Assemblée nationale a décidé, lui et son cabinet, sans passer par une commission instituée par la plénière, a décidé de donner les noms des députés que lui et son cabinet estiment absentéistes. Mais c'est vrai, ici sur ce plateau, nous avons quand même notre ami Prince qui n'en a, lui, il est du parti du président de l'Assemblée nationale, Mbosso Nkodia. Il est également dans son équipe de communication. Nous allons lui poser ces questions justement pour rétablir de l'équilibre parce qu'hier, il n'y avait personne de l'équipe de Mbosso Nkodia. Nous allons également placer un mot sur l'insécurité qui sévit au niveau du Grand Koulou. Ça commence d'ailleurs ici, à partir des Maluku, où vous avez les Teke et les Yaka qui se battent, un conflit de terres, mais qui commence à prendre d'autres proportions. Et le président de l'Assemblée nationale, Mbosso Nkodia, est en train de proposer une formule. D'ailleurs, nous allons aussi l'écouter tout à l'heure lorsque nous allons nous avancer. Mais en attendant, permettez-moi de recevoir celui qui est déjà là, Prince Kinana. Bonjour. Cher ami. Bonjour, estimé Merveille Baelengue. Bonjour à tous les Congolais qui vont nous suivre de par le monde. Je dirais bonjour au premier d'entre nous, le chef de l'État, Félix Antoine Nkechi Lombo, le garant de la nation, la haute autorité politique de l'Union sacrée. Je dirais aussi bonjour au Cursus Honorum, le Deus Ex Machina, l'autorité politique de mon parti politique, la CRD, Christophe Mbosso Nkodia-Poanga, à qui le patriarche de la République, le modèle de la bonne gestion, l'esclave des principes et des textes normatifs de l'État. Je lui dis bonjour à tous les cadres, aux cadres de la CRD. Je leur ai dit aussi bonjour. Eh oui, hier, le président Mbosso a reçu le député de Kinshasa. Il a reçu le député de Kinshasa, comme vous venez de le dire ici au sommaire, qu'il est épris de compassion. Il ne dort plus depuis qu'il y a des exactions qui s'est fait dans son Congo natal. Cela a affecté même Kinshasa déjà dans Maluku. On connaît déjà des déplacés dans certains villages et cités de la province du Congo. Alors, lui, en tant que représentant de la représentation nationale, permettez cette tautologie, il est le président de l'Assemblée nationale qui est le représentant du peuple au niveau de notre pays. Il a proposé à ce qu'il y ait un dialogue franc entre le parti concerné par ces conflits. Je peux dire que ces conflits avaient commencé à une origine politique. Oui. L'origine politique parce que, selon les enquêtes qui ont été menées, on a pu trouver qu'il y avait des politiques congolais pour des raisons électoralistes, ont voulu générer
une incitation à la révolte. Parce que le plateau de Bateke, ou Koumout se retrouve dans le plateau de Bateke, dans la province de Maïndombe. Oui. Le peuple autochtone du plateau de Bateke, ce sont les Teke. Mm-hmm. Or, les Teke, c'est un peuple qui vend les terres. Tout Congolais, ou en République démocratique du Congo, nous sommes libres de circuler sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. On peut aller domicile là où on veut. Oui. Moi, je suis Yaka, je peux aller, j'étais dans les Katanga, à l'époque, le grand format des Katanga, j'ai fait mes études à l'Inelou. Je peux aller au Kassai, je connais Luputa, je connais Nganangika et les autres. Oui. Donc, les Yaka ont trouvé refuge dans les plateaux de Bateke. Mais il y a un problème dans ces conflits. C'est que les Teke appellent Yaka, ils englobent tout le peuple non originaire de ces plateaux-là. Oui. Donc, tout le peuple non autochtone. Les Yaka, les Ngala, les Luba, tout le monde. Tout le monde. On les englobe dans les Yaka. Alors, il y a eu maintenant, les politiques ont voulu générer, parce qu'ils ont vu que si nous allons dans des élections, parce que le peuple Teke étant minoritaire, oui, et le venu, ceux qu'ils englobent dans les Yaka, sont majoritaires, si nous partions aux élections dans ces formats, le fils Teke auront du mal à se faire élire. Qui sont ces politiques-là, sur le plan doctrinaux, sur le plan doctrinaire, les élections réveillent un caractère un peu sociologique. Exactement. C'est comme ça qu'ils ont vu qu'ils ont essayé un peu d'instrumentaliser leur père, chef coutumier, pour essayer un peu de revoir la redevance coutumière. Cette redevance coutumière qui est un produit, des produits locaux qu'on récolte, on doit au chef coutumier, par rapport au droit des terres, oui, vous lui devez les 10% de ce que vous récoltez. Par exemple, si vous avez 10 sacs, vous lui donnez un sac de riz, par exemple, ou un sac d'arachide. Oui. Maintenant, le chef coutumier Teke avait résolu une redevance coutumière sans entendement de toute la communauté. Ça a créé des conflits. Oui. Maintenant, le conflit a quitté d'ordre politique, ça a trouvé un ordre coutumier. Et après, que le Yaka, c'est qu'on englobe Luba, Yaka, Swahili, tout le venu dans les plateaux Bateke qui utilisent cette terre pour des raisons agricoles, se sont révoltés pour exprimer leur mécontentement face à cette hausse de la redevance coutumière. Le fils du chef Teke, oui, qui avait rêvé à la hausse de la redevance coutumière, tira sur un Yaka. C'est là que le problème de tous les problèmes. Alors, avant de poursuivre, si la technique, si la réalisation est en harmonie avec nous, j'aimerais qu'on nous balance la vidéo du président de l'Assemblée nationale, Mbo Sonko Dia, où il se prononce, il vient avec une petite formule pour chercher à trouver la solution. Est-ce que la technique est en harmonie avec nous? Si la technique est là, elle peut quand même nous balancer. Voilà, la technique nous fait signe que la vidéo n'est pas encore prête. Alors, elle va arriver, mais j'aimerais qu'on poursuive. Je vous dis. Alors, on tuera sur un des Yaka. Oui. C'est comme ça que les Yaka se sont révoltés et c'est le début de toute cette. C'est théâtre. Alors, de mauvais goût que parlez nous sommes en train d'assister là-bas. Vous parlez des politiciens, une manipulation politique. Est-ce que vous pouvez quand même citer je ne suis pas habilité à les faire. Les services compétents sont là. Mais vous rappellerez d'ailleurs que même la gouverneure, Madame Rita Bola, parla d'une main noire. Oui. Parce que vous allez comprendre que le peuple Teke se retrouve au Congo, Brazzaville, le Congo d'en face, oui, et se retrouve en République démocratique du Congo ici chez nous. Lorsque ces tueries ont commencé, les Teke de Congo Baza ont vu que leurs frères Teke d'ici étaient minoritaires. Ils ont traversé pour venir à la rescousse de leurs frères. C'est comme ça qu'on a soupçonné cette infiltration. C'est comme ça que la gouverneure a parlé d'une main noire. Oui. Vous rappellerez que le Congo Braza avait trouvé important de vendre une partie de ses terres, l'île Mbamou, au Rwanda. Pour des raisons agricoles, les Rwandais qui occupent l'île Mbamou, pour des raisons agricoles, ont commencé à s'occuper. Lorsque les Teke ont commencé à traverser pour venir secourir leurs frères Teke de Kwamout, nous avons soupçonné qu'il y a eu des Rwandais qui ont aussi traversé. Pas cette façon de faire, cette façon de tuer l'être humain, cette façon de tuerie qui se passe dans Kwamout n'est pas la nôtre. En tout cas, les Yaka et les Teke, ce sont deux peuples
qui ont vécu durant plusieurs siècles ensemble et dans un climat partout, de paix. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on parlait d'une main noire, c'est comme ça qu'on parlait d'une infiltration. Voilà pourquoi les problèmes ayant suivi ces cheminements-là, d'ordre politique coutumier et d'ordre d'infiltration externe, c'est comme ça que le président de l'Assemblée nationale, depuis le début de ce conflit, avait trouvé l'unique voie capable d'amener une pacification de cette zone, la voie de dialogue. Écoutons d'ailleurs le président Mbosonko et puis nous revenons juste après. Je ne voudrais pas donner l'impression que tout est rose. Nous sommes les représentants du peuple. Il se passe un certain nombre de problèmes dans notre pays. Nous, en notre qualité de représentants du peuple, appelés à cimenter l'unité nationale, nous devons donc travailler pour la paix. Or, il se fait depuis longtemps, nous sommes agressés par le Rwanda à l'est de notre pays. Maintenant, à Kinshasa, il se passe de graves problèmes dans le plateau de Bateke, qui est une commune qui s'appelle Maluku, qui a des limites avec la province du Kwango, de Maïndombe et du Bakongo. Dans ces limites avec le Kwango et le Maïndombe, il se passe de graves problèmes d'insécurité. Ce n'est pas le moment pour moi de vous dire quelles sont les raisons. Mais je crois, nous comme élus, nous devons chercher des solutions alternatives à la résolution de ces conflits fonciers et intercommunautaires. Et pour ce faire, il faudrait qu'une commission soit mise en place. Une commission qui comprendrait le gouverneur de trois provinces. Le Kwango, le Maïndombe, le Kwilu et la ville de Kinshasa. Au niveau du gouvernement central, il y a la présence indispensable du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, le vice-premier ministre, ministre de la Défense, le ministre des Affaires foncières, le ministre des Affaires sociales et les services spécialisés des provinces au niveau national et au niveau provincial, les chefs coutumiers des quatre provinces concernées, la ville de Kinshasa, le Kwilu, le Kwango et le Maïndombe. Quelques notables de ces provinces, les élus, tant nationaux que provinciaux. Au niveau national, il s'agit des honorables députés nationaux et des sénateurs de ces provinces. Je pense que d'autres services peuvent être aussi impliqués. La commission, ça sera une commission de paix, de réconciliation et de réintégration. Des commissions nationaux que provinciaux. Au niveau national, il s'agit des honorables députés nationaux et des sénateurs de ces provinces. Je pense que d'autres services peuvent être aussi impliqués. La commission, ça sera une commission de paix, de réconciliation et de réintégration des communautés lésées. Alors, pour cela, honorables députés, chers collègues, lisons très bien nos textes de loi. Il n'y a pas qu'à Kinshasa où il y a des problèmes fonciers, mais il y a aussi dans les provinces. Il n'y a pas longtemps, il y a eu des cris de détresse dans le Bas-Congo. Il y a des cris de détresse dans le nord et le sud Kivu, ainsi que dans d'autres provinces. Faisons absolument attention. Appliquons correctement nos lois. Mais n'oublions pas qu'il y a des coutumes que nous devons respecter. Il n'y a pas que de lois. Il y a des coutumes. Nous ne pouvons plus continuer à attribuer des concessions à des gens en ne tenant pas compte des coutumes locales. Nous devons éviter dans notre pays d'avoir de lois qui mettent la paix et la sécurité en péril. À mon avis, ce pays mérite encore une réforme agraire. Et je demande aux compatriotes regroupés au sein d'un mouvement
de quoi qu'on appelle Mobondo, d'arrêter la violence, de venir vers les autorités pour poser leurs problèmes. Personne ne sera arrêté. Déposez les armes si vous les avez. Arrêtez la violence, parce que ceux qui sont en train de mourir sont des compatriotes congolais qui ont aussi droit à la vie comme vous. Je parle au nom de la représentation nationale. Nous vous invitons de déposer les armes, de venir au dialogue. C'est un dialogue ouvert, personne ne sera arrêté. Nous allons mettre en place une commission qui entendra tout le monde et dans laquelle se trouveront tous les responsables nationaux et provinciaux afin que nous soyons en mesure de trouver des solutions aux problèmes de terre, d'intégration qui vous préoccupent. C'est votre pays, ce sont vos provinces, ce sont vos sœurs. Tel est le message que l'Assemblée nationale lance à votre endroit, mes compatriotes de Mobondo. Je vous remercie. Voilà, Mbosonko Dia, président de l'Assemblée nationale notable de cette province, propose une formule. C'est logique venant du président de l'Assemblée nationale. Au nom de la représentation nationale, il a appelé d'abord ses assaillants qui se sont constitués en un groupe d'autodéfense. Oui. Parce que pour les uns, c'est groupé exclusivement Yaka. Oui. Bon, pour nous, on ne sait pas encore bien les identifier. C'est un travail que nous avions laissé au service de sécurité. Voilà pourquoi le président de l'Assemblée nationale a toujours voulu que notre armée puisse être nationalisée, que notre armée puisse être réformée, que notre armée puisse être dotée de moyens capables de la rendre dissuasive. Oui. Que les services deviennent plus compétents pour répondre et riposter face à de telles attaques. Il a placé Mobondo à déposer les armes. Parce que le problème a pris un peu de l'ampleur qui commence à inquiéter. Voilà pourquoi le président de l'Assemblée nationale les a appelés à déposer les armes, à venir au dialogue. L'Assemblée nationale va instituer une commission. Oui. Parce que depuis le début de cette exaction, il a toujours utilisé cette voie de pacification, le dialogue. Il a parlé au chef coutumier. Au début, il avait appelé le chef coutumier Teki. Il les a reçus, il les a parlé. Il a appelé le chef coutumier Yaka. Il les a reçus, il les a parlé et il a utilisé même de sa poche, il a pris un peu de ses moyens pour venir en aide les déplacés qui étaient à Mongata et les autres. Maintenant là que le problème ne s'apaise pas, il les appelle maintenant à l'apaisement pour qu'ils viennent au dialogue. Personne ne sera arrêté, comme ça on va écouter les revendications des uns et des autres. Si c'est un problème de terre, voilà pourquoi il a appelé dans cette commission que le ministre des Affaires foncières vienne. Oui. Il appelle les élus nationaux à pouvoir bien lire les textes sur le problème des terres. Oui. Parce que ces problèmes, c'est les mêmes problèmes qu'on connaît à l'est du pays. C'est les mêmes problèmes qui arrivent maintenant à l'ouest. Le gouverneur des quatre provinces seront là. La province de Kinshasa, la province de Maïndombe, la province du Kouango qui est concernée, oui, et la province de Congo central, parce que Maluku est frontalier avec le Congo le central. Voilà pourquoi le président de l'Assemblée nationale a trouvé très bon qu'il puisse associer ces gouverneurs de province pour résoudre ce problème dans la paix. On doit les attendre, on doit écouter qu'est-ce qu'ils veulent réellement. C'est quoi le nœud du problème? Connaissant que le problème était politique, oui, on pouvait arranger ça d'une manière politique aussi. Mmh. Mais un problème faut... politique qui devient coutumier, on devait l'arranger aussi coutumièrement. Associer mais quand ça devient un problème, un conflit interethnique où il y a des tueries, des massacres, les gens qui meurent, on connaît des déplacés. Okay. Hier, on m'a envoyé une vidéo où toute une cité, le pont Congo, qui s'est vidée, oui, et de peuples qui se sont déplacés vers Kenge. Et on appelait aux gens de bonne foi de prendre une ou deux personnes et de les loger chez eux. C'est vraiment inhumain. Ce sont, oui, des peuples qui se déplacent. Ce sont des enfants qui vont arrêter les cours. Et ce sont des champs qu'ils vont laisser comme ça. Comment vont-ils se nourrir? Comment vont-ils dormir? Comment vont-ils se vêtir? C'est comme ça que nous rallions derrière cette proposition du Deus ex machina, le président de l'Assemblée nationale, le patriote qui sauve Mbosonko Diapwanga. Nous le remercions d'ailleurs et nous remercions la représentation nationale de pouvoir mettre au premier plan les souverains primaires. Je pense que tout Congolais, je viens de dire tout Congolais,
devrait soutenir cette initiative. Moi, personnellement, je soutiens cette initiative parce que ce conflit est déjà à la porte de Kinshasa. C'est déjà à Kinshasa, Maluku. Nous avons tous des terres à Maluku, voilà. Et partout. Je sais qu'il y a des gens qui ne s'y rendent plus parce que l'insécurité est vraiment en train de déranger. Et voir surtout une initiative venant du président de l'Assemblée nationale, je pense que c'est quelque chose à soutenir. Voilà pourquoi vous avez vu que j'ai donné mon antenne à ce dossier pour en parler afin de sensibiliser les Congolais. C'est comme ça que nous vous remercions, estimé Merveille. Voilà pourquoi nous demandons toujours à ce qu'il y ait une dynamique interne. Oui. Nous devons tous être réunis, unis autour de la mère patrie. C'est l'intérêt commun qui doit primer au lieu de l'intérêt privé. Que les politiques ne nous divisent pas. C'est sur de tels sujets qu'on attend que l'opposition amène une contre-alternative. Mm-hmm. C'est sur de tels sujets qu'on attend que l'opposition puisse se proposer. C'est sur de tels sujets qu'on veut que l'opposition sorte pour aller marcher. C'est sur de telles questions que l'opposition doit appeler la population à des villes mortes pour condamner. C'est sur de tels sujets qu'on doit montrer à l'opinion internationale, à la dynamique internationale, que les Congolais peuvent mettre leurs conflits politiques de côté et combattre l'infiltration, combattre la balkanisation, combattre les tueries, combattre le massacre, combattre les conflits interethniques. Parce que même ceux de l'opposition, dans l'opposition, il y a des leaders, oui, qui peuvent appeler le peuple et le peuple vont écouter. Mmh. C'est sur de tels sujets qu'on le veut, qu'ils viennent autour du président de l'Assemblée nationale. Parce que il est président de l'Assemblée nationale, il a le pouvoir de la République, c'est lui qui dirige tous les 500 députés que nous avions choisis pour nous représenter, pour voter, pour légiférer, pour contrôler l'exécutif, et les opposants, et c'est la majorité, ils doivent se réunir autour de lui, lui amener des propositions, lui amener des contre-alternatives, leur amener un format par rapport à ces dialogues qui peut nous amener à ce qui est pacification à la porte des questions. Merci beaucoup. Alors, j'aimerais qu'on passe très vite au deuxième sujet que j'ai annoncé ici. Nous allons chuter avec la marche. C'est d'ailleurs le sujet de la marche qui va vraiment beaucoup plus dominer ce plateau. Alors, mais le deuxième sujet, ça concerne les députés absentéistes. Hier, nous avons eu Puce Romain Rolango ici et qui a vraiment développé, il a apporté même des preuves. Et en fait, le précédent qu'il y a là-bas avec Marie-Ange Mouchobekwa, il a apporté les autorisations de sortie signées par le président Mbosso. Et il y a aussi des députés, un député que Puce Romain Rolland a cité, qui a écrit au président Mbosso pour fustiger le fait qu'il y a ou il y aurait une liste des députés dits absentéistes, alors que ces députés-là sont réguliers dans les plénières. Et ce qu'ils fustigent, c'est le fait que cela vienne du bureau, du cabinet Mbosso, plutôt que d'une commission instituée par la plénière. Il a cité nommément les conseillers en communication de M. Mbosso, parce que selon ce député national, c'est le conseiller en communication qui a publié ou qui aurait publié cette liste-là à la presse. D'ailleurs, tout à l'heure, nous allons demander la vidéo où le président Mbosso est en train d'annoncer qu'il y a des députés absentéistes qui doivent soit être invalidés, soit voir leur salaire être coupé en application du règlement d'ordre intérieur. Alors, si la réalisation est en harmonie avec moi, la réalisation peut nous balancer cet élément et puis nous revenons juste après pour commenter. Merci. Alors, il faut dire aux collègues qui ne viennent pas à nos plénières. Ils risquent de voir leurs émoluments amputés du nombre de jours qui ne viennent pas à la plénière. Voilà. Cette vidéo a été courte. Je crois que la réalisation a coupé, mais quand même, nous l'avons entendu de la bouche du président Mbosso qui parle de députés absents. Prince Kinane. Merci beaucoup, estimé Merveille. Vous savez, on va vers un schéma où dans ces pays, nous voulons vivre dans un état non-état. Nous voulons vivre dans un état jungle, où le principe et les lois existent, mais on ne veut pas les respecter. On ne veut pas la mise en applicabilité de ces principes. Christophe Mbosso est une personne, un homme d'état, un homme politique, qui ne vit que de lois et de textes. Tous les 500 députés qui siègent à l'Assemblée nationale ont voté pour un règlement, un ensemble de textes, un ensemble de principes
qui les régissent, les règlements internes de l'Assemblée nationale. Ils les connaissent par cœur. Pourquoi les députés doivent aller siéger? Pourquoi ils doivent être présents à la plénière? C'est pour voter, c'est pour légiférer, c'est pour contrôler l'exécutif. Ils ne vont pas les faire sur Twitter, ils ne vont pas les faire à la maison, ils ne vont pas les faire à Otana, ils ne vont pas les faire à Pullman Hotel, ils ne vont pas les faire à Fif Congo Hotel, là où ils aiment beaucoup plus passer le temps. Lors de cette plénière-là, le président de l'Assemblée nationale avait eu du mal même à ce que cette séance puisse se tenir. Parce que l'Assemblée nationale, selon l'article 69 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, on dit « L'Assemblée nationale ne siège valablement qu'à la majorité absolue des membres qui la composent. » L'Assemblée nationale est composée de 500 membres. Oui. Donc la majorité absolue, on dit 251 membres. Oui. N'est-ce pas? 250 plus 1. 250 plus 1. Maintenant, si c'est en deçà, l'Assemblée ne peut pas siéger. N'est-ce pas? Même lorsque les députés viennent, selon l'article 72 du règlement intérieur, on dit « Le député national s'installe dans la salle au plus tard 2 minutes avant l'heure prévue pour le début de la séance. Ils doivent signer leur présence. C'est là pour constater le quorum. » Ça permet au bureau de contrôler le quorum. Parce que lorsque le quorum n'est pas atteint, le bureau ne peut pas autoriser que l'Assemblée plénière puisse siéger. Mais attends. Alors, le président avait constaté que oui. les plénières devenaient quasiment vides. Regardez, qu'on nous remette la vidéo, vous allez voir que la salle est presque vide. Alors, lui, en tant que président de l'Assemblée nationale, il doit appeler le député à la responsabilité. Il doit les rappeler à l'ordre. Ils doivent les rappeler de leur devoir, qu'ils doivent venir travailler. Mais pendant qu'il fait maintenant, cette annonce-là, j'arrive. Les noms cités, parmi les noms cités, il y a ces députés-là qui sont dans la salle avec les cas Marie-Ange Mouchobekwa. J'arrive. Et attendez, je vais vous aller continuer. Les cas Mouchobekwa, par exemple. Mouchobekwa a apporté ses éléments de preuve. Ça existe. L'autorisation signée par le président Mbosso. On parle de Deli Sesanga, mais Deli Sesanga est souvent présent. Il intervient dans beaucoup de cas. Ici, on l'a vu d'ailleurs tout récemment entre lui et le président Mbosso. Il y a eu des accrochages. Vous dites qu'il est absent. Absent par rapport à quoi? Alors, je venais de dire ici que lorsque les députés arrivent, ils signent leur présence et les protocoles constatent. Ils l'amènent au bureau, le bureau qui constate si le quorum est atteint. La séance est déclarée ouverte. Le président est arrivé, il a vu que la salle était quasiment vide. Oui. Là, je lui ai parlé, il m'a dit qu'il avait même du mal, il y a eu du mal ce jour-là pour que le quorum soit atteint. Il a rappelé à l'ordre, c'est son devoir lui conféré par le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. C'est vraiment son devoir, c'est parmi même les missions lui assignées. On dit... Le président de l'Assemblée nationale assure une mission générale de direction et de représentation de l'Assemblée nationale. À ce titre-là, c'est l'article 34 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. À ce titre, il accomplit notamment les tâches veiller au bon fonctionnement de l'Assemblée nationale et à rendre compte à la plénière, assurer la coordination des activités, maintenir la discipline au sein de l'Assemblée nationale. Oui. C'est-à-dire quoi? Les députés devenaient absentéistes. Maintenant, par rapport à la liste, vous me dites que le président, lorsqu'il a parlé, il n'a cité aucun nom. Mais il a dit, chers collègues, regardez comment est-ce que la salle est vide. Oui, mais... Il appelle à la conscience des députés. Il les interpelle. Il dit, chers collègues, allez dire aux collègues qui ne viennent pas dans nos plénières qu'ils vont voir leurs émoluments en pitié. Ou être invalidé selon le cas, parce que c'est prévu par le règlement intérieur. Alors, les noms que nous entendons, que nous apprenons, ça vient d'où? Les plénières. Un député a parlé, j'en arrive. Conseiller en communication j'en arrive. Du président de l'Assemblée nationale. J'en arrive. Qualité. Les plénières de l'Assemblée nationale sont publiques, oui ou non? Oui. Et elles sont souveraines. Elles sont publiques. Oui. Et le premier représentant du peuple, le témoin du peuple, lors de nos plénières, ce sont vous les journalistes. Oui. C'est-à-dire que la liste qui a été, les noms qui ont été publiés, c'est la presse. Et c'est la presse qui suit les activités de l'Assemblée nationale. Ah, à chaque minute. Écoutez. Ce n'est ni le bureau Mbosso,
ni la cellule de communication, ni le conseil en communication du Bobo. Écoutez, je vais vous dire. Les plénières sont publiques et les témoins de la population, c'est la presse. Donc c'est la presse la qui a constaté que la presse, c'est la presse qui a constaté que les listes sont c'est la presse qui a établi cette liste. Parce que la presse. Le président de l'Assemblée nationale ou la plénière n'a jamais institué une commission pour tabler par rapport aux députés absentistes. Même si on pouvait tabler, la commission pourrait tenir compte de la session de septembre 2022. Oui. La session passée, n'est-ce pas? Parce que pour être déclaré absentéiste, il y a une certaine conditionnalité prévue par le règlement d'un intérêt international. Donc, vous voulez dire absent que... On parle même d'un quart d'absentéisme par rapport à la session, voire passé, n'est-ce pas? Mais la plénière ou le président national n'a pas parlé d'une commission instituée. Le nom qui circule à travers les réseaux sociaux, c'est la presse. Parce que vous n'allez jamais me montrer... Je mets tout le monde à défi. Oui. Personne ne viendra ici pour me montrer un document ayant en tête de l'Assemblée nationale ou du cabinet du président de l'Assemblée nationale, là où on inscrit le nom de députés nationaux et en bas là-bas, le directeur de cabinet du président a signé ou lui-même le président de l'Assemblée nationale a signé pour dire tel a été déclaré absent. Donc Mbosso n'a jamais... Il n'a jamais donné de nom. Il n'a jamais donné. Ce sont les journalistes. C'est la presse qui suit régulièrement et à la lettre qui est le témoin du peuple par rapport aux activités qui se tiennent à l'Assemblée nationale, vu que les plénières sont publiques et solennelles. Et c'est sur la presse par rapport à comment est-ce qu'ils voient, comment est-ce que les députés viennent. Parce que moi, j'ai parlé à d'autres journalistes qui me disent que c'est sans en effet que s'il va intervenir. C'est ça qu'on ne vient que s'il va intervenir. C'est ça qu'on ne vient que s'il ne doit qu'intervenir. Ça, c'est selon la presse. Il y a des séries qui me disent qu'ils ont, ils ont fait un bon bout de temps, ils n'ont pas vu Raphaël Kibouka. Raphaël Kibouka. Oui, il y a des séries qui me disent qu'ils ont fait aussi un bon moment où Mme Jeanine Mabunda ne venait pas. C'est la presse qui a rédigé cette fameuse note qui est en train de circuler. Donc Mbosso n'y est pour rien. Mbosso lui n'a fait que rappeler les règlements d'ordre. Je suis communicateur privé du président de l'Assemblée nationale. Oui. Prince Kinan Antilouman, je suis communicateur privé du président de l'Assemblée nationale. Et il m'a chargé de vous dire que, oui, de dire à la population congolaise que le bureau Mbosso ou son cabinet à lui, n'a jamais, ou lui-même le président de l'Assemblée nationale, il n'a jamais dressé une liste citant ou reprenant le nom de députés qui s'avère être absentéiste. Ce sont les mais la presse ou le journaliste qui constatent et qui viennent à chaque moment participer aux plénières, ont pu se saisir de l'occasion lorsque le Deus ex machina, le patriarche Christophe Mbosso, a parlé des députés absentéistes, la presse a cité quelques noms, quelques députés qui, selon eux, s'avèrent être absentéistes. Merci beaucoup. Alors le message, allez-y très vite. On me parle ici qu'il y a eu un conseiller du président Mbosso qui a parlé ou qui a cité, qui a écrit cette nom-là. Je ne sais pas, il l'a fait en qualité de qui, parce que... On dit le conseiller en communication. Écoutez, à l'Assemblée nationale, le bureau de l'Assemblée nationale, il y a un des membres du bureau qui joue le rôle de porte-parole, qui ne doit parler qu'au nom de l'Assemblée nationale. Oui. C'est l'honorable rapporteur. Oui. Donc, je mets quiconque à défi de m'amener une note ayant en tête Assemblée nationale, ou cabinet du président Mbosso, et en bas, on a vu le président Mbosso signer. Et une note de l'entête comme ça, Assemblée nationale. Sinon, on n'accepte pas. Si c'est un bout de papier fabriqué par la presse pour créer le buzz, pour faire l'intox, pour stimuler ces dossiers, parce que la presse suit régulièrement les activités de l'Assemblée nationale, et la presse s'est fait une liste de députés qui, selon eux, ne viennent pas. Oui. Et si vous suivez très bien, vous allez voir aussi, on ne dit pas. Nous attendons que la commission soit instituée. Oui. Selon la presse, que ce nom-là va leur explication et la raison d'être. Qu'on arrête ces agitations, nous demandons même aux honorables députés, oui, d'éviter de tomber dans le populisme. Le bureau Mbosso ne s'est jamais expliqué sur ces dossiers. Merci. Celui qui engage le cabinet du président de l'Assemblée nationale, hormis le président lui-même, c'est le directeur du cabinet. Et le directeur du cabinet n'a jamais. Et le directeur du cabinet n'a jamais communiqué sur ces problèmes. Jamais, je l'ai dit, jamais. Merci beaucoup. Je crois que le message est très bien passé. Alors, avant de chuter sur les dossiers, sur la marche de l'opposition, j'aimerais préciser quelque chose parce que j'ai reçu
des documents, justement, puisque vous êtes là, j'en profite pour en parler, des documents sur des précisions concernant l'ancien DG de la SNEL, Lucindé, parce qu'à un certain moment, l'imbroglio avait pris place dans ces dossiers. Tantôt, on accusait le président Mbosso, tantôt, le ministre des Finances, Nicolas Kazadier, Jules Alinghetti, était cité dans ce dossier-là. Mais en tout cas, avec les documents que j'ai reçus, je suis sûr que ce dossier-là, en tout cas, est très clair. Je ne sais pas, en 2 minutes, vous pouvez commenter ce dossier, si la réalisation est même en harmonie avec moi. On peut même balancer ces photos-là, ces documents-là. Je pense que la réalisation n'a pas ces documents-là, ce n'est pas grave. Alors, j'aimerais qu'on organise un autre plateau spécial, okay. Rien que pour parler de ce sujet-là, parce que le temps, puisque le temps... J'aurais voulu lire l'article 235 du règlement intérieur par rapport au chapitre premier qui parle de la composition des cabinets. Vous m'avez parlé d'un conseiller en communication qui aurait fait citer ces noms-là. Très vite. On dit, le cabinet est composé de personnels politiques et de personnels administratifs. Article 235. Le personnel politique des cabinets est composé comme suit. Pour le président, un directeur de cabinet adjoint, 6 conseillers. Oui. N'est-ce pas? Oui. Un secrétaire particulier et 2 chargés de mission. Le président de la Sénat n'a pas un conseiller en communication. Il n'a pas de conseiller en communication. Il n'a pas un conseiller en communication. Le président de l'Assemblée nationale a des journalistes avec lesquels il travaille, des attachés de presse, comme vous les appelez. Oui. N'est-ce pas? Par rapport à l'esprit du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, il n'est pas prévu qu'il y ait un conseiller ou une coordination ou une cellule de communication. La cellule de communication de l'Assemblée nationale est une cellule technique, oui, qui est gérée par l'honorable rapporteur. C'est les rapporteurs qui gèrent. Mais je vous dis, la communication à l'Assemblée nationale est l'émanation ou l'apanage de l'honorable rapporteur. Donc, si ces dossiers et les bureaux, ni le cabinet du président ne s'est jamais présenté, c'est la presse qui a fait fuiter, oui, la liste de députés qui, selon eux, ne viennent pas et qui s'avèrent absentéistes. Donc j'aimerais qu'il compte qu'à défi de m'amener une lettre et à l'entête, Assemblée nationale ou cabinet du président. On a repris la liste de députés qui s'avèrent être absentéistes et le président Mbosso a signé ou le directeur des cabinets a signé. Mais s'il y a des listes qui peuvent circuler ça et là, nous vivons dans un pays où même des factures peuvent être frappées. Où dernièrement, on venait de nous accuser à tort, nous, Union Sacrée, que nous avions utilisé l'argent d'une institution pour la sortie et la sortie officielle qui avait eu le 29 au sein des martyrs. À combien de fois, à raison qu'on fasse une liste de reprenant des députés qui ne viennent pas. Une facture pro forma avec l'entête, avec comme client Assemblée nationale. Or, c'est sûr. Alors, merci beaucoup, merci beaucoup. Nous devons tout de suite passer au sujet concernant la marche de l'opposition, qui en ce moment, d'ailleurs, la mobilisation s'est faite. Déjà, les militants d'ensemble des LGD, des LCD et de Nouvel Élan, ils sont déjà dans la rue. C'est vrai qu'on nous signale également que la police interdit tout rassemblement d'au moins plus de 10 personnes. J'ai bien dit au moins plus de 10 personnes, alors que la marche est autorisé. Nous allons commenter justement ce sujet. Alors, nous avons un deuxième invité qui est venu très en retard. Je sais qu'il va donner comme raison, il y a un dispositif sécuritaire qui empêche la population de circuler librement. Est-ce que c'est ça la raison? Je vous salue. Vous êtes de Nouvel Élan? Très bien, je suis. Merci beaucoup. À qui j'ai l'honneur de partager le débat aujourd'hui sur ces plateaux. Et de prime abord, je vais présenter mes excuses aux auditeurs et aux téléspectateurs. Simplement parce que, comprenez-moi, je reviens de très loin avec des têtes d'embouteillage, ça ne ment pas. Mais j'ai quand même bousculé une ligne pour attacher l'importance à votre invitation. Voilà. Nous vous en remercions. Nouvel Élan n'est pas pour la marche. Nouvel Élan ne soutient pas les partis de l'opposition comme Ensemble, LGD et autres. Le Nouvel Élan n'est pas concerné. Nouvel Élan n'est pas concerné ni de près ni de loin.
Ni des prix, ni des lois. Oui, parce que nous ne pouvions pas accepter de continuer toujours sur la même lancée des erreurs. Là, les années antérieures, l'opposition en RDC s'affirmait comme opposition sur fond des résistances. Or, Nouvel Élan est un jeune parti qui est venu justement changer les paradigmes politiques de l'opposition, qui, pour nous, consiste à donner des idées, parce que nous devons construire notre pays autour des idées. Et nous pensons que nos idées sont sérieuses, voyez-vous. Et donc, c'est comme ça que nous sommes dit, plus question de prendre l'opposition sous fond de la résistance, mais plutôt sous fond des idées. Que proposent nos amis du bloc de Lubumbashi comme alternative? Que proposent nos amis de l'Union dite sacrée comme solution palliative aux problèmes qui rongent la vie nationale de notre pays et de nos concitoyens? Et donc, c'est sur ce terrain-là, c'est sur ces terrains-là que nous devons débattre, parler République. On soupçonne votre président, votre autorité, d'adhérer à l'Union sacrée. Certains disent qu'il est en réalité déjà parti, mais il l'est fait proprement pour éviter que les gens ne parlent pas. Est-ce vrai que Mouzito est un pied dedans, un pied dehors? C'est faux. Nous ne sommes pas dans l'Union dite sacrée. Raison pour laquelle, quand ils se sont retrouvés au stade de martyrs, nous n'étions pas de la partie. Quand ils se sont retrouvés à l'hôtel Pullman pour signer la charte, Nouvel Élan n'était pas là, moins encore Mouzito. Et donc, nous sommes cohérents dans notre démarche. Mouzito est candidat président de la République. Et Nouvel Élan va aligner des candidats à tous les niveaux. Raison pour laquelle nous nous affirmons comme étant un parti de l'opposition. Parce que nous avons eu le temps, nous avons travaillé pendant 3 ans, rien que pour implanter notre parti. Et aujourd'hui, Nouvel Élan est dans les 145 territoires. Même le parti UDP. Sur l'ensemble du territoire. Je vous dis, sur l'ensemble du territoire. Nous avons fait un grand travail, mais un travail de fourmi, sans bruit. Mais je vais vous dire, même l'UDPS qui est au pouvoir, parti majoritaire, mais l'UDPS n'est pas implanté sur toute l'étendue de la République. Il faut noter que l'UDPS n'a que des sympathisants. L'UDPS n'a que des sympathisants, alors que Nouvel Élan est implanté sur tous les 145 territoires. Même là où l'État n'est pas arrivé, Nouvel Élan est déjà là. Ah bon? Donc c'est ça. Donc nous risquons de nous retrouver avec plus de 100, 200 députés de Nouvel Élan. Oui, c'est comme ça que nous sommes en train de travailler sur la nouvelle donne de l'année 2024 pour que nous puissions remporter la mise. C'est vrai que la guerre, elle est là. Ça sera vraiment une guerre rude entre nous, les compétiteurs, sur ces terrains électoraux. Mais c'est de bonnes guerres. Ne craignez-vous pas que Nouvel Élan vienne compliquer la situation de l'opposition et que Nouvel Élan donne des béquilles au président Félix Tshisekedi? Parce que ensemble, dans l'unité, l'opposition peut gagner, mais en ordre dispersé, ça risque d'être compliqué. Non, l'ensemble, quand on dit l'union fait la force, oui. Mais cette union, vous devez tous avoir de mêmes valeurs et défendre de mêmes valeurs. Mais quand vous ne défendez pas les mêmes valeurs, vous ne portez pas les mêmes valeurs, comment vous pouvez vous unir? Et c'est ça l'opposition en RDC. Il faut noter que l'opposition en RDC, elle est plurielle. Et que la loi sur portant statut de l'opposition reconnaît à cette opposition cette pluralité. Et donc il n'y a pas moyen que nous puissions tous nous unir. Parce que c'était l'erreur du passé avec la Mouka. Quand nous sommes retrouvés en Jeval, l'idée c'était quoi? Mener une résistance pour faire partir M. Félix-Antoine Tshilombo. Alors qu'en aucun jour, la Mouka à l'époque s'est arrêté pour réfléchir comment gérer après Kabila. Tout ce qui nous animait, tout ce qui nous intéressait, c'était le départ de Kabila. Sans pour autant projeter en perspective comment nous allons gérer, quel est le programme de gouvernance que nous allons mettre en place une fois que Kabila ne sera pas là. Aujourd'hui, c'est la même maladie avec nos amis du bloc de Lubumbashi, avec leur patron Moïse Katumbi, voyez-vous. Et donc, nous ne voulons plus encore se lancer sur cette même voie de l'échec. Et en tant qu'acteur de l'opposition, vous encouragez quand même le bloc de Lubumbashi, bien que vous n'êtes pas concerné. Non, c'est des bonnes guerres. Vous n'êtes concerné ni de près ni de loin. C'est des bonnes guerres. Moi, ce que je reproche à nos amis de Lubumbashi, entre les quatre, ils ne sont même pas sincères. Pourquoi ils ne sont pas sincères? M. Katumbi, à une certaine période, il a été dans l'Union dite sacrée. Il a quitté l'Union dite sacrée pour se victimiser sur ces terrains de l'opposition.
vu qu'il y a déjà cette loi Tchani qui lui met mal à l'aise. Donc, du coup, Moïse, c'est un opposant frustré. Un opposant frustré. Voilà. Pourquoi je vais vous dire. Moïse, aujourd'hui, réclame la loi électorale, oubliant qu'il a des députés, près de 45 députés, qui ont avalisé cette loi au sein de l'Assemblée nationale. Vous voyez, Moïse a occupé une poste, bon, c'est pas Moïse lui-même, mais l'un de ses membres du parti a été ministre du plan. Et le portefeuille du plan, ce n'est pas n'importe quel portefeuille, c'est un portefeuille... Christian Moindo. Christian Moindo, transversal. Mais Moïse quitte les bateaux de l'Union dite sacrée sans pour autant nous donner des indicateurs. Il vient tout simplement nous dire la famine, l'insécurité. Mais c'est le ministère du plan qui est le poumon de ces gouvernements. Tout doit passer par là. Je vous prends ma tata Pogne. Oui. C'est un autre frustré parce qu'il y a le dossier Bukangalonzo qui est encore pendant sur la table de justice. Mais cela a été démontré qu'en réalité, ce n'est pas ma tata Pogne qui avait perçu l'argent et que c'était les responsables de la société multinationale Africom. D'ailleurs, non, moi, je ne rentre pas dans le fond. Vous n'entrez pas dans le fond. Moi, je n'entre pas dans le fond parce que ce n'est pas le débat. Mais j'essaie un peu de décortiquer chaque personnalité de ces blocs de Lubumbashi. Ils sont tous frustrés. Tous frustrés. Monsieur Deli Sezanga, c'est un caméléon. À tout bout de champ, il peut quitter le navire. Voyez-vous. Et donc, Martin Fayoulou. C'est un incohérent. Fayoulou est incohérent. Le plus cohérent, c'est Mozito. Un gangster. Le plus cohérent, c'est Mozito. Pourquoi Mozito a dit, nous d'abord au sein de la Mouka, pourquoi Martin Fayoulou s'est fait auto-exclure? Tout simplement parce qu'il n'est pas stable. Il est dans la Mouka. De lui-même, de façon délibérée, il va créer le bloc patriotique. De lui-même, il va approcher Matata Ponyo. Alors que lui-même avait qualifié déjà la question de Bukangalonzo comme... D'un crime économique. D'un crime économique. Et il avait même demandé à la justice de faire son boulot. Wow. Mais... Et donc, M. Fayoulou devient cette blanche série de l'opposition pour laver Fayoulou tout ce monde-là. Blanche série de l'opposition. Voilà. Alors, la parole va tourner... Prince, j'aimerais que vous commentiez également la marche de l'opposition. Et si vous voulez bien... Je salue aussi M. Claude Ngoma, un aîné avec lequel nous entretenons une très bonne relation. J'ai cet honneur de partager ce plateau avec lui. Moi, aujourd'hui, il y a ici celui qu'on peut appeler opposant en RDC maintenant. Là, c'est Adolphe Mozito, il ne faut m'en pas. Ah bon, parce que Mozito va dans le sens... Non, non, il ne va pas dans le sens de donner les à l'Union sacrée. Non, non, il ne va pas dans le sens de donner les béquilles à l'Union sacrée. Mozito mène cette opposition tant voulue par toute règle normative démocratique, selon Alexis de Tocqueville. Une opposition républicaine, une opposition qui amène la contre-alternative. Là où il y a une vision, lui vient proposer. Pas cette opposition-là, pleurnicharde, une opposition qui ne fait que des casses, une opposition qui ne doit faire que des bruits et des marches, une opposition qui se lance dans la rue. Sans avoir le fondement. Une opposition, votre allié, parce que vous savez que était dans la rue. Écoutez, Kabila. Est-ce qu'on doit toujours continuer d'erreur en erreur? Non. Ah donc l'UDPS était dans l'erreur. Je vais dire ceci. Le bloc de Lubumbashi, c'est un ensemble vide, vidé de toutes circonstances. Ils se sont parce que le péché de la République démocratique du Congo est que depuis 60 jusqu'à aujourd'hui, nos leaders ne s'initient pas autour de la vision. Ils s'initient autour des intérêts. Et c'est ça qui tue. C'est ce qu'on vient corriger avec l'Union sacrée. Et c'est ce que Mozito veut corriger dans l'opposition aussi. Aujourd'hui, l'Union sacrée... De tous les opposants. Parce que Mozito. Il n'y a pas des opposants. Moi, je dirais d'ailleurs que ce sont des regrettés de pouvoir. Parce qu'ils étaient avec nous. Ils regrettent le pouvoir. Parce que si vous me parlez de Fayoulou, c'est un inconstant. Fayoulou c'était un instable, Fayoulou c'était un gangster, Fayoulou c'était un voleur de méga plateforme politique parce qu'il veut se refaire une santé. Mais quand l'idée passe, était comparable à une petite souris. Fayoulou s'est fait leader à travers les autres. Mais quand l'idée passe cassée, l'idée passe. L'idée passe s'est révolté par rapport aux injustices qu'elle subissait. Et vous pensez que les opposants d'aujourd'hui ne se révoltent pas par rapport aux injustices? Qui est opposant? L'opposition, d'ailleurs, l'opposition elle est constitutionnelle. Et l'opposition est établie. Eux-mêmes ne se disent pas être opposants. Ils s'appellent de la résistance. Non, non, c'est Fayoulou qui dit qu'il est résistant, mais Katumbi dit qu'il est dans l'opposition. Matata dit qu'il est dans l'opposition. Sanga dit qu'il est dans l'opposition. Mais est-ce que vous savez que c'est Sanga, en 2018, il était dans Ensemble, mais il a bâti campagne pour le président et puis il fait Santa Ketchilombo. Il nous a abandonnés à lui, ça. Donc, c'est.
ce sont des gens instables, inconstants. L'unique opposant sérieux. L'opposition fait partie du régime politique en place. Ce que fait Mouzitou. Quand il y a guerre dans l'Est, il vient proposer les frontières se mirer. Il dit on doit faire la guerre et construire le mur. C'est ça l'opposition. C'est l'exemple. Mouzitou amène une opposition avec des propositions, avec une vision. Il ne veut pas que le Congo continue dans un état, dans un régime vassal. Cette vassalité doit nous quitter. Où les opposants vous disent que nous voulons un Congo fort, sans vous donner les indicateurs clés et cette faisabilité des choses, comment nous allons arriver vers un Congo fort. C'est ce que Mouzitou vous amène. Il vous amène une offre politique, parce que l'Union sacrée s'étant formalisée avec une vision, Mouzitou a vu que nous avons un programme. Lui aussi amène un programme et son offre politique. Nous avons compris que sans Mouzitou, flatter le monde. Nous avons compris que Mouzitou, c'est maintenant la liée de l'Union sacrée. Permettez écoutez, que laissez-moi parler. J'ai lu l'offre politique de Mouzitou. J'ai lu notre charte de l'Union sacrée et l'offre politique qu'a fait Santaké Chilombo. Oui. Sans flatter les gens, Mouzitou a une offre ingénieuse. Merci beaucoup. Et c'est de ça que nous attendons que l'opposition puisse amener. La contre-alternative, que les pouvoirs puissent aussi vérifier, y était pour voir. Oh. Mais par rapport à la question sécuritaire, qu'est-ce que nous avions prévu? Nous avions prévu ça, qu'on conduit avec le volet diplomatique. Mais qu'a dit l'opposition? Voyez l'offre de Mouzitou, qu'est-ce que c'est dit? Pas l'opposition qui va venir avec des bruits au vichet. Merci. Mais beaucoup. Ça, c'est le travail de la société civile. Merci beaucoup. Alors, normalement, nous devons chuter la réalisation du signal. Souffrez, vous êtes venu en non, retard. Je... Alors, mais quand même, vous avez un petit mot, un mot spécial, un message particulier de votre parti politique, ou bien un mot ou un message particulier de manière générale non, de la vie politique. Mon petit mot, ça va s'adresser à M. Ngobila. Gentil Ngobila. Oui, la manifestation en RDC est consacrée par la Constitution. Oui. Et nous sommes dans ce régime d'information. Bien entendu que le régime d'information oblige à monsieur l'autorité urbaine de pouvoir apprécier, voir les contours, surtout en termes sécuritaires pour accompagner et l'encadrement de ces marches. Oui. Et que ces derniers peuvent aussi se dire, bon voilà, vu la capacité de votre mobilisation, et donc du coup moi je me retrouve dans une très mauvaise position de vous encadrer. La police, le nombre de la police, ça m'écoute tellement, je n'ai pas assez de moyens, j'annule. Oui. Mais dans les cas sous examen, M. Ngobila avait projeté pour le 18, avait repoussé pour le 18, et les amis du bloc de Lubumbashi ont préféré le 20. Oui. Ce qui tient encore la route. Mais ce que moi je fustige ici, dans le chef de Ngobila, comment l'autorité urbaine peut autoriser des marches simultanées? L'UDPS avec la jeunesse et nos amis de Lubumbashi. Alors que nos amis de Lubumbashi ont formulé leurs vœux avant, ont saisi l'autorité bien avant. Oui. Et donc, ici, je dénonce et je décris. Aussi, il faut aussi dénoncer l'insubordination du bloc de Lubumbashi. On les avait proposé les 18 par rapport à la date du 20 prévu ou gardé pour l'IDPS. Oui, oui. Vous allez l'arbitre, c'est l'autorité urbaine. Oui. C'était à lui incombé, donc voilà, le pouvoir d'apprécier. OK. Mais moi, ici, je condamne les mauvaises habitudes d'hier. Tout ce que faisait FCC hier, aujourd'hui l'IDPS, en produit parfaitement. Parfaitement, jusqu'à la moindre détail. C'est les peu perdus maintenant les modèles de l'IDPS. Ben oui, parce que je vais vous dire, laissez les amis marcher, opposition est pété, mais laissez-les marcher, c'est la Constitution qui leur garantit le droit. Et surtout que c'est une marche sur fond des dénonciations. Oui. La famine, l'insécurité. Laissez-les, ils vont se fatiguer sur ces terrains. Sans proposition. Mais pourquoi leur chercher à leur donner encore la force et les mots, les argumentaires? Pourquoi on n'a pas réussi, on était télescopé avec le jeune de l'IDPS. Et donc si aujourd'hui il y a casse, si aujourd'hui il y aura mort d'homme, oui, ça sera dans l'actif de Messie Ngobila. Et on dira les morts de Félix Tshisekedi. Ah, mais oui. Comme on a dit hier, les morts de Joseph Kabila. C'était comme ça. Hier, même si vous ne voyez pas la sauce là bien sur votre assiette, c'est Joseph Kabila. Mais aujourd'hui, on dira quoi? Donc, je dénonce ces façons de faire, ce n'est pas bon. Nous devons respecter les avancées démocratiques. Et nous, comme étant acteurs
de l'opposition et de la majorité, surtout de la nouvelle classe politique, nous devons changer notre vision de voir les choses. Merci beaucoup. Alors, nous avons terminé. 30 secondes. Moi, dans 30 secondes, je vais fustiger cette hypocrisie de l'opposition. D'abord, l'insubordination vis-à-vis de l'autorité urbaine qui les avait proposé les 18, connaissant que l'UDPS avait prévu une marche de soutien pour les réveils de la dynamique interne le 20. L'opposition s'est insubordonnée à l'autorité pour venir c'est coerté à l'UDPS le 20. C'est l'opposition qui prévoyait déjà un sale coup. Bon, les frustrés ou les regrettés du pouvoir, pas l'opposition. Et aussi, cette hypocrisie dans le sens où ils sont allés saisir la CPI, la Cour pénale internationale, là où il n'y a pas de fait. On saisit le juge pénal quand il y a des faits. Puis, mais il n'y a pas encore eu de faits, vous partez saisir la Cour pénale internationale. Ils n'ont même pas aussi qualité. Ils n'ont pas aussi qualité. La saisine, c'est la réponse. Ça devient un théâtre de chez nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous remercie d'avoir répondu présent à notre invitation. J'espère que prochainement vous serez là à temps. Pour que vous ayez le temps de développer toutes les idées, toutes les propositions de nouvel élan, parce qu'apparemment, selon l'Union Sacrée, c'est le seul parti de l'opposition qui a des idées. Ben ouais. Merci beaucoup. Alors, dans la rue, l'opposition composée d'ensemble nouvel élan. Les réalités du pouvoir. S'il vous plaît, ensemble LGD. Ensemble LGD. Matata Ponyou Mapon. Ainsi que les partis de Délice Sanga et de Martin Fayou sont dans la rue. En tout cas, juste après, nous allons aller suivre de près ce qui se passe. Mais selon les dernières informations, bien qu'on a autorisé la marche, mais les agents de sécurité interdisent les rassemblements de plus de 10 personnes. Quel contraste, nous ne comprenons pas. Merci beaucoup. Je vous retrouve le mardi pour faire justement les bilans de cette marche avec d'autres invités, avec le même plaisir. Allez, au revoir. Merci beaucoup. Voilà. Ah.